architecte spécialisée dans le développement durable, notamment grâce au Mineralis, ce qui m'a permis d'approfondir cette thématique. Aujourd'hui, je travaille pour Shift, un bureau qui est basé à QI et qui a la particularité en fait, d'intégrer trois secteurs, l'énergie, les écomatériaux et l'architecture. Pour les écomatériaux, d'ailleurs, on a notre produit phare ici, EcoCocon. Dans le bureau, je me charge également en fait, de la partie communication et marketing. Le fait qu'en fait, je comprenne et je connaisse assez bien l'énergie, l'architecture et aussi les écomatériaux me permet de vraiment pouvoir communiquer de manière efficace sur ces trois domaines. Ce qui était le plus riche, c'était l'échange entre étudiants qui viennent de deux formations différentes. Et d'arriver à travailler ensemble, de se comprendre pour développer des projets communs. Et ça, c'était extrêmement riche de pouvoir pratiquer ça dans le cadre des études et qu'on retrouve après dans le milieu professionnel. Et aussi, du coup, d'avoir plus de cours à disposition, d'autres thématiques et de voir d'autres méthodologies de travail. J'ai vraiment apprécié la richesse des échanges en travaillant entre plusieurs secteurs ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui je travaille dans un bureau qui rejoint ces trois secteurs. Et du coup, au quotidien, je pratique ce que j'ai pu apprendre dans la communication entre différents domaines pendant les études dans le mineur à IDIS, mais aussi en dehors en fait, parce que quand on doit demander des offres à des ingénieurs ou quand je vois en fait, par exemple, des analyses de cycle de vie, une thématique dont on parle aujourd'hui, comme j'ai suivi le cours là-dessus et je sais en fait qu'est-ce que ça implique derrière, ça me permet de vraiment comprendre par exemple les hypothèses qu'ils ont dû mettre en place et du coup d'être plus critique aussi dans les résultats qu'on me propose.